Bonjour à tous. Aujourd'hui, Axéo Consulting vous propose la FRTB en 90 secondes. La norme FRTB présente pour les banques les nouvelles modalités de calcul des exigences en fonds propres en regard du risque de marché. Elle propose notamment une redéfinition de la frontière entre banking book et trading book, une refonte des approches standards et en modèle interne, et une définition rigoureuse des processus d'évaluation. Dans un premier temps, le texte précise les règles de ventilation des positions entre trading book et banking book. Puis, il impose des contraintes quant aux éventuels transferts entre ces books. Enfin, il détaille les contours et impératifs à suivre pour la définition des trading desks. L'objectif affiché est de limiter pour les banques les opportunités d'arbitrage réglementaire. L'approche standard est obligatoire sur l'ensemble des positions sujettes au risque de marché. Elle recourt massivement aux sensibilités et offre ainsi une alternative crédible à l'approche en modèles internes, tout en restant adaptée aux banques à faible activité de marché. Concrètement, elle se compose d'une charge pour couvrir les risques delta, vega et de courbure selon trois niveaux de corrélation, d'une charge pour couvrir le risque de jump to default et d'une charge supplémentaire pour tout produit de payoff ou de sous-jacent exotique. L'approche en modèle interne n'est autorisée que sur les trading desks admissibles. Elle est d'ailleurs proscrite sur les positions de titrisation. Elle capture les risques de façon plus fine, mais doit être validée par le régulateur et être régulièrement réévaluée. Concrètement, elle impose le remplacement de la VAR par l'expected shortfall pour la couverture du risque de marché, la couverture du risque de défaut par une VAR dédiée et le calcul d'une charge supplémentaire en regard des facteurs de risque non modélisables. Ces différentes métriques intègrent plusieurs horizons de liquidité afin de mieux capturer tout risque d'illiquidité soudaine. Elle modère également les bénéfices des effets de couverture et de diversification, permettant ainsi un calibrage plus prudent et plus stable des exigences en fonds propres. Retrouvez nos autres tutos en 90 secondes sur la chaîne YouTube d'Axéo Consulting.